Bonjour à tous, c'est Dan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur les vinyles de Noël. Les vinyles de Noël, toujours plus! Et on commence avec Elvis Presley et son Elvis Christmas Album. Il est originellement sorti en 1957 et c'est un album à posséder dans sa discothèque parce que c'est l'album de Noël le plus vendu au monde. Du coup, depuis le temps, il a connu pas mal de rééditions, souvent avec des morceaux en plus, en général c'est en rapport avec Noël ou la religion. Du coup, on a un album où se mélangent reprises de classiques et chansons originales, toujours avec la super voix d'Elvis. Et du coup, je possède la réédition européenne de 2014 en vinyle rouge avec 20 morceaux au lieu de 12. Et normalement, elle est trouvable assez facilement. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready. Et on continue avec les Dropkick Murphys et leurs 7 pouces de Noël, The Season's Upon Us. C'est sorti pour Noël 2012 chez Born and Bred Records. Les Dropkick Murphys, c'est un groupe de punk celtique que j'adore énormément, et ça c'était sorti pour accompagner la sortie de leur album Signed and Sealed in Blood. En face A, on retrouve le titre The Season's Upon Us, un morceau de Noël plutôt calme dans la plus pure tradition, et en face B, on a un morceau plus énergique et plus humoristique, AK-47, All I Want for Christmas. Parce que oui, un AK-47, c'est un très bon cadeau de Noël. Le vinyle est vert et limité à 1000 exemplaires, mais comme je suis un petit peu fou de Noël et des Dropkick Murphys, je l'ai aussi pris en rouge et en blanc. Et on termine avec de la musique classique, avec Mozart, père et fils, Symphonie des Jouets. C'est un vinyle qui est sorti en 1972. Il regroupe des compositions des Mozart dans une ambiance hivernale et mignonne qui colle particulièrement au thème de Noël, puisqu'on a les balades en traîneau, des danses allemandes, des contredanses, mais surtout on a la Symphonie des Jouets qui a longtemps été attribuée à Joseph Haydn alors qu'elle aurait été plutôt composée par Léopold Mozart. C'est une partition exceptionnelle où on a plein de sonorités très atypiques qui vont se rajouter à une composition déjà géniale à la base. On a l'impression d'être un enfant le matin de Noël qui déballe ses cadeaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent.